Coucou tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog. Donc comme vous avez pu le voir, on embarque pour Miami. Donc là il est 4h30, quelque chose comme ça. Donc on s'est levé à 3h ce matin, ça pique les yeux, mais bon, on s'en fiche, on va à Miami, c'est le plus important. En tout cas, je suis contente de vous emmener avec moi pour ce petit week-end à Miami. J'espère en tout cas qu'il va faire beau parce qu'on a regardé la météo ce matin. Et c'est pas prévu, ils ont prévu des orages et de la pluie forcément. Bon, pendant le week-end on y va, sinon c'est pas drôle. En tout cas, j'espère que ce petit voyage va vous plaire et je vous dis à tout de suite dans l'avion. Voilà, donc on vient d'arriver dans l'avion, il est 5h05, on décolle à 5h30, il y a à peu près 3 heures de vol pour aller jusqu'à Miami, on arrive à 8h30. Je ne vous ai pas dit tout à l'heure, mais là vous me voyez sans make-up, total naturel, il n'y a pas de souci. Parce que franchement, à 3h du matin, je n'avais pas spécialement envie de me maquiller. Donc voilà, je vais vous faire quelques images dans l'avion, j'espère que ça va vous plaire et je vous dis à tout de suite. Charline, quelque chose à rajouter ? Voilà, on a sommeil, mais on va profiter de Miami. Donc je vais vous faire un room tour en fait de l'hôtel qui est franchement plutôt pas mal. Donc là on a une petite douche tranquillou, bon les toilettes, les petits peignoirs, hop le lavabo, coucou, un autre miroir. Là on a une porte, ça doit donner sur une autre chambre, là on a un autre miroir, donc premier lit qui est le mien, deuxième lit qui est celui de Charline, là on a un mini bar. La télé, bon par contre en termes de vue, comment vous expliquer, c'est très moche. Et une chose aussi, c'est que les lits aux États-Unis, les lits pour une personne, limite on peut dormir à deux. Hein. Clairement, voilà, ça c'est un lit une personne. Donc voilà, donc la chambre est plutôt pas mal. Et il y a un coffre-fort du coup dans l'entrée. Donc voilà, c'est ici qu'on va dormir cette nuit. Donc là, comme vous l'avez vu, on vient d'arriver à l'hôtel. On a pris le petit déjeuner directement à l'hôtel. Là, il est quelle heure, Charline? 9h48. Donc là, il est 9h48. On va se poser tranquille 2 minutes dans la chambre. Et après, go to Miami Beach pour se promener et aller voir la mer. Donc voilà, donc on va profiter. Bien sûr, je vous emmène avec nous. A tout de suite. Et voilà, donc on se retrouve dans les rues de Miami. On a sorti les habits d'été parce qu'il fait super chaud et super beau. Donc voilà, on vous emmène avec nous. Je pense qu'on va aller sur la plage. Regardez comme il fait beau. Regardez comme il fait chaud. Charline, es-tu contente d'être ici? Donc on est sur la plage à Miami et c'est juste un kick de fou de pouvoir être en short, de pouvoir être en t-shirt à manche courte parce qu'il faut dire ce qu'il y a à New York qui n'est pas spécialement chaud. Et regardez ce qu'il y a derrière moi.
les petites cabanes comme dans les films typiquement de Miami ou pour ceux et celles qui ont regardé Alerte à Malibu. C'est tellement, mais tellement un truc de ouf. J'arrive pas à réaliser que je suis à Miami en fait. C'est juste un truc de ouf. Putain. J'espère que vous kiffez autant que nous, parce que moi c'est juste un truc de ouf. Donc le truc qu'il y a au fond là-bas en fait, c'est du parachute ascensionnel ou du parasailing en anglais. Et on va faire ça demain. Promener, il est 11h10, il fait clairement super chaud. Du coup, on revient à l'hôtel, on va changer, on se met en maillot et direction la plage, on va dire, pour aller se baigner parce que là, il fait juste super chaud. Je sais pas si vous êtes déjà allé dans les Antilles, genre Martinique, Guadeloupe. C'est un peu la même chaleur en fait, il fait chaud et c'est humide. Donc du coup, ça colle. Et donc du coup, il fait super chaud. Voilà, donc je sais pas si j'emmène ma caméra à la plage. Sinon, bah, je vous dis after the beach. Donc, on est dans l'eau avec Charlie. Attention, vague. Donc, franchement, se baigner dans l'océan Atlantique au mois d'avril, j'aurais jamais pensé parce qu'elle est franchement bonne. Elle doit être. Allez, 22. Attends, Novi, elle a combien? 22? 24? Elle est bonne? Elle a combien? Elle est trop bonne. Voilà. Donc, comment kiffer à Miami Beach? Sur Ocean Drive, après s'être baigné pendant un peu plus de 2 heures, on s'est arrêté prendre des high tea parce que il fait 30 degrés, mais alors en ressenti je pense qu'il fait 40 tellement qu'il fait chaud. Mais on va pas se plaindre, on est à Miami, c'est trop bien. On était censé avoir de la pluie et en fait franchement il fait super beau, donc on est plutôt contente. Hein Charlie, on est contente? Ouais, grave. Donc ouais, franchement on profite. En plus là, regardez derrière, il y a des palmiers partout. Oh, c'est trop bien. On est en vacances, petit week-end tranquille à Miami. J'ai l'impression d'être en vacances. C'est top. On s'est posé un peu histoire de profiter de la vue. Par contre, Ocean Drive, en fait, c'est un peu une roue où il y a plein de bars. Et les gens, ils mixent en fait à 2h, 1h, 3h de l'après-midi, ils s'en foutent. Ça me fait un peu penser au Spring Break maintenant. Tout le monde profite en fait, tout le monde fait la fête. C'est un peu un genre de boîte à ciel ouvert. Et c'est un peu aussi le défilé des belles voitures. Là, depuis tout à l'heure, on voit passer des Porsche, donc normal. Voilà. Donc on profite, là on est posé tranquille parce que ben, mine de rien il fait chaud, donc on se pose tranquille avec les palmiers, tac, et on profite de la musique en même temps. Donc là on vient de rentrer dans notre petite promenade, petite douche tranquille parce que le sel ça pique un peu. Donc du coup on a commandé au room service, histoire de manger parce que depuis ce matin on avait faim. Voilà, un petit hamburger avec des petites frites à 4h de l'après-midi, tout va bien. Et nous voilà de retour dehors, donc après cette petite pause à l'hôtel, douche, miam et repos devant la télé, on est ressorti, on va essayer d'aller à la... C'est quoi Charline, non? La South Point. C'est en train de se couvrir au niveau du temps, mais bon, il fait quand même toujours super chaud, hein. Il faut dire ce qu'il est, toujours en short. Donc comme la météo le disait, il annonçait des averses, et là... Avec ce temps-là, il est en train de pleuvoir, donc on s'abrite sous un arbre, on s'abrite hein, comme on peut, voilà. On attend que ça passe. Voilà, nous attendons.
et on regarde les voitures passer. Et ici, sans déconner, ils ont vraiment mis des voitures de luxe. Donc 3 quarts d'heure pour arriver sur la jetée. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai pas pu vous parler en fait parce qu'il y avait du vent, comme vous l'avez peut-être remarqué avec les vagues. Du coup bah là on va remarcher 3 quarts d'heure pour revenir à l'hôtel. Et là sur la plage, en fait je crois qu'il y a un spring break, je suis pas sûre, il y a plein de jeunes qui fument et qui boivent, donc je pense que c'est le spring break à South Beach. Retrouve dans la chambre, je suis dans mon lit tranquille en peignoir parce que je ressors encore de la douche. J'aime bien prendre des douches, c'est une passion chez moi. Et j'en suis à la 3e de ma journée. Donc on est rentré, j'ai dit il y a 3 quarts d'heure, il est 20h25 et on est crevé hein, parce que levé depuis 3h du matin, ça pique un petit peu, ça commence à tirer. On doit sortir normalement ce soir, mais rien de sûr parce que parce qu'on est fatigué et parce que voilà, Miami c'est beau, mais après la mentalité d'ici c'est comment dire différent en fait de ce à quoi moi je suis habituée. Ici c'est beaucoup fake dans le paraître et tout, donc je suis contente d'être venue à Miami parce que c'est super beau, il n'y a pas de souci. Mais après, en termes de population, un petit peu plus déçue. Mais bon, voilà, c'est la vie. J'arrête le vlog ici pour ce soir parce que je pense qu'il n'y aura pas grand-chose de plus intéressant. En plus, je préfère vous laisser sur cette vue, bon, qui n'est pas non plus exceptionnelle, mais bon, mieux que ma tronche, on va dire. Surtout que aujourd'hui, c'était totalement naturel, no make-up. No things, je vous laisse et j'espère que ce premier vlog sur Miami vous a plu et je vous dis à demain ou à bientôt quand vous le regarderez dans le prochain vlog de Miami. Bye!